émotion. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour. Pour l'ouverture du campus, c'est la folie, c'est Hollywood, messieurs, dames, Hollywood. Il y a des écrans géants, il y a des gens qui nous attendent, il y a des ballons, il y a des parapluies, il y a des parasols, il y a des paras, je sais pas quoi, j'avais envie de dire paras une troisième fois. Oh, regardez, bonjour Lucky, ça va bien, oui, ça va bien. Voilà, donc là on tourne. Donc j'ai fait mon petit merchandising, mais grâce au multiverse, je peux revenir aujourd'hui dans le temps. Je vais vous montrer ce que je vous ai filmé samedi. Et aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture du campus. C'est parti, mon kiki. Bonjour. Merci. Bonjour, bonjour. Merci. Bonjour, bonjour. Bravo, super. Bonjour. On est là, on est là. Hé, hey, comment vas-tu? Mais super, Jonah! Ça va? Magnifique! Tu es contente d'être là? Et toi? C'est bon, hein? C'est magnifique! Et en plus, voilà! Ouais, bon. Il manquait que un Avenger si tu es là! Exactement, je suis là! À bientôt! Et on veut voir tes scores au web! Alors, maximum 350 000 que j'ai fait! Bon, arrête de crâner maintenant, ça suffit! 350 000. Ça suffit, Jonah! Bonne journée! Ah, voilà! Voilà! Ah, bonjour! Ah, voilà! La partie d'en bas, oh, c'est un scandale. Bonjour tout le monde. Incroyable. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Vous êtes top. Bonne journée. Et encore. C'est beau ton ballon. Bonjour. Hey. Bonjour. Ça va bien et vous? Bonjour, bonjour. Si ça c'est pas de l'accueil, alors je sais pas comment on s'appelle. Et ben voilà, on est arrivé. C'est fantastique. Alors ce qui est incroyable, c'est d'avoir des cast members en haut. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. De Marvel, on est là, il y a un peu de vent, je suis tellement contente, il fait tellement chaud, tellement chaud. Allez, on va vous faire l'intégrale de tous les points merch qui sont ouverts. Il y en a deux, un tout petit à l'entrée et le grand qui est à la sortie, donc de l'attraction de Spider-Man. Je vous préviens, Spider-Man, pour ceux qui n'ont pas fait de la gym depuis longtemps, mollo, parce que les bras, il est faux. Hein. Voilà, c'est parti pour un merchandising de folie. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça? C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, à l'entrée tout de suite du parc,
enfin du Land, pardon, vous avez cette petite boutique. Je vous préviens, les ventes sont limitées à 5 exemplaires. Il n'y aura aucune remise d'accordé, au moins jusqu'au 2 septembre. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ne me dites pas que c'est révoltant. C'est révoltant, mais c'est comme ça. On sait pourquoi derrière. Tant que ce sera comme ça, malheureusement. Enfin bref, on va passer à autre chose parce que ça va m'énerver. Donc là, nous avons un mug qui est très beau. Voilà, avec Iron Man. On le tourne. Avengers Company Opening. Voilà. Summer 2022. Il est à 20 euros le mug. Là, nous avons le t-shirt. Donc, de l'ouverture. Et voici. Alors, notre petit t-shirt. 20 euros aussi. Ah ah. Alors, Chris s'essaye. Avec Héloïse, notre chère cast member. Bonjour, Héloïse. Bonjour. Attention, c'est parti, c'est sur télécommande. Alors, que se passe-t-il? Elle marche super bien. Moi, ça, c'est pour qu'elle se règle. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se... Regarde. Yeah. Ah, voilà. Oh. Ah. Là, l'idée... Le pattern de Spider-Man. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que... D'accord. Que ça batte. Et là, ce que vous voyez là, c'est votre barre de vie. Et vous avez perdu. Oh. C'est violent. Tu as perdu, Chris. Si, j'ai appuyé sur quoi? Donc là, tu as sur la télécommande... Vous avez sûrement appuyé ici. Tu as la barre de vie. Voilà. Excellent. D'accord. La barre de vie, elle s'affiche ici. Là. Oui, oui. D'accord. Et il y a trois modèles différents, si j'ai bien vu. Moi, je vais aller voir ça. Alors, on a le modèle classique qui va être Spider-Man. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir changer les armures. Les armures, donc là, il y a Iron Man, c'est ça? Ah oui, c'est les ça. Armures, on peut les prendre séparément. C'est ça. Les armures, on les prend en plus. D'accord. Donc, pas besoin d'acheter de Spider-Bot. C'est la base. Le Spider-Bot, ça reste la base. La base, et ensuite, on peut changer, du coup. C'est ça. Ensuite, on peut le customiser. Et chaque costume va avoir des fonctions différentes sur le Spider-Bot. D'accord. Okay. Par exemple, pour Iron Man... Ça se voit pas parce qu'il fait jour, mais il y a des moments en fait où si on appuie sur un des boutons, ça met un petit bouclier. Et pendant 60 secondes, il ne peut recevoir aucune attaque. Oh, et également, toutes les 45 secondes, il ne reçoit une vie. Allez, ok. Génial. Donc c'est assez intéressant. La seule chose en fait, c'est que quand il s'ouvre, quand il s'autodétruit alors qu'il a perdu, il faut automatiquement l'éteindre et le rallumer. D'accord. Okay. D'accord. Ok, moi je vais aller voir ça. Et là, hop là, il pète le feu. Voilà, je vais le laisser ici. Donc le Spider-Bot, il est toujours pareil, hein, les mêmes conditions. 70 euros. Voilà. Et donc vous avez toutes les armures tactiques que la vous pouvez Black acheter. Panther, donc ce qu'on vient nous expliquer, c'est que chaque armure a des fonctions différentes. Donc il y a Black Panther, Black Widow, donc la Spider-Man la base, et Iron Man. Elle est belle, et on les voit là. Voilà, et elles sont, après elles sont à 25 euros l'unité pour les améliorations tactiques. Voilà. Et ce qui est très intéressant également, c'est que le Spider-Bot peut faire des batailles. Ah, ah c'est bon, on peut poursuivre l'attraction avec vous. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Donc ça, c'est les WebTech, bande de puissance web, 40 euros. C'est ça. Voilà. Et il y a plusieurs couleurs selon les modèles Alors, qu'on choisit. Ça, ça va être la base. Si on, veut, si on veut que ça fonctionne, il faut automatiquement avoir la base. D'accord. D'accord. Et ensuite, à chaque fois, vous avez Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange. Oh, les beaux Doctor Strange. Donc elles sont là, regardez. Elles sont belles. Hein. Et donc là, ce que m'expliquait madame, ah bah oui, elles sont là. Voilà. Toutes les explications sont données, comme ça vous n'achetez pas sans savoir ce que vous achetez. Amplificateur mystique 30 euros, bande de puissance 40 euros. Et donc, lui, il interagit avec les petits lui. Bonjour. Les Spider-Bots, ils me plaisent beaucoup, moi, je les aime beaucoup. Donc celui-là, ce Spider-Man avec les Interactive Spider-Bots, ils sont à 40 euros. Ils sont beaux, hein. Moi, j'aime bien cette taille-là. Hein. Ok, bon ben voilà, je sens que tu vas bientôt venir à la maison toi, voilà. Alors, le sac campus qui est très très bon en ce moment, vous avez une offre, 15 euros pour 30 euros d'achat. Alors, ça va vite avec toutes les choses qu'on va acheter, déjà les t-shirts, hein, ils sont très beaux. Et si vous regardez bien, il est phosphorescent la nuit, donc il est très très beau. La matière est très sympathique, on dirait de la soie, en lycra mais de la soie. C'est très sympathique, donc c'est un sac, c'est le sac de sport, hein. Voilà, je vous montre, il est quand même assez grand.
Bon, voilà, voilà, ça commence. Hein. Cachez vos porte-monnaies, on n'en parle plus. Donc pour la troisième fois aujourd'hui? Oui. Alors? C'est surtout que là, tu es également en train de tourner ta vidéo merch. Oui. Qui sortira après celle-ci. Oui. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a une feuille de coke-pop spécifique pour l'attraction. Exactement. Donc on va voir ça, qu'on retrouvera dans ta vidéo, mais on va la montrer également dans ce vlog, parce que je pense que c'est sûr qu'on va repartir avec, à moins qu'elle soit horrible, on ne l'a pas vue, mais apparemment il y a un petit spider bot avec, donc oui. L'excitation est à son maximum. J'ai déjà mal au bras, on n'a pas commencé l'attraction, j'ai déjà mal au bras les gars, j'en peux plus. C'est quoi là, regarde. Oh mais c'est pas vrai ça. Ça fait 5 mois que je n'ai pas soulevé un halter, parce que j'ai complètement arrêté la musculation. Est-ce qu'on est sur toi là ou sur Spider-Man? On est sur moi, la caméra est sur moi. Non mais uniquement focus sur la course à pied. Ah mais je conseille ceux qui ne font pas du tout de sport de se préparer à cette attraction. Vous n'avez plus de bras en sortant, mais c'est hyper drôle, hyper fun. Non, mais là où vous me faites rire, c'est que c'est pas là le pire. Ça va être demain matin. Vous allez vous réveiller, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Donc pour le merch, pour aller à la boutique, il faut refaire l'attraction. Donc je me dévoue une troisième fois aujourd'hui. Mais pour faire... je vlog et tu te mets en même temps. Mais excuse-moi, écoute, tu n'es pas content. Pas on est dans une démocratie, monsieur. On est dans un pays libre. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de vloguer sur toi, regarde. Regarde, je vlog sur ta caméra. Je ne veux pas me gêner. Hein. Donc, je disais donc, je vais refaire la troisième fois. Les véhicules qu'on utilise pour cette attraction, ils sont géniaux. Ouais, ouais, les véhicules sont super. On est content. Blablabla. Super. Alors donc, on refait cette attraction pour la troisième fois parce que la boutique est au fond. Et donc, on est bien obligé de se muscler un petit peu pour pouvoir soulever tous ces petits sacs de merchandising qu'on va acheter ou pas. Puisque donc, comme je vous l'ai dit, la très agréable surprise, c'est qu'il n'y a pas du tout de réduction PA. D'ailleurs, même pour les cast members, cette année, enfin en tous les cas, jusqu'au mois de septembre, sur manifestement au niveau des quantités, ils n'ont pas envie. J'imagine qu'il y ait des acheteurs qui achètent pour 75. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, on va pas épiloguer là-dessus. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce qu'on va acheter du merchandising? Est-ce que le merchandising est gros? Est-ce que ma grand-mère met un short? Est-ce que la voisine a un chat? On ne sait pas. On ne sait pas. Trop de chaleur. Voilà, la superbe boutique. Quand on sort de l'attraction, vraiment incroyable cette boutique. On va faire le détail ensemble. Je vais pas trop me filmer. Je vous dis franchement, il y a tellement de choses à filmer que on va commencer tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est parti. Merchandising Avengers. Alors on commence tout de suite par les Spider-Man Googles. Ce sont les lunettes gafas. Regardez comme elles sont belles, gafas en espagnol. 60 euros. Elles sont très lourdes. On dirait un petit peu des lunettes de ski. Elles sont incroyables. Alors voilà l'explication des lunettes Spider-Man. Regardez, vous pouvez vous éclater dans le disco de la vie de Spider-Man. Alors ça n'est pas interactif avec l'attraction, hein, je préfère préciser. Mais effectivement c'est génial. On fait des clins d'œil. On fait des clins d'œil, voilà. Ah non, mais c'est super. Oui, je comprends mieux. Voilà. Ah ouais. Ah bah super. Bah, merci. Il y a également des petits cœurs, des petites étoiles. On fait ce qu'on veut en fait. Vraiment un peu de tout. Donc c'est un peu une façon de draguer tranquille à l'aspect. Voilà, c'est ça. Ça. Petit cœur. Genre dans le parc, on croise. Voilà, d'accord. Voilà, okay. C'est ça. Et ben voilà, je comprends mieux le prix. Merci de votre explication. Merci. Merci. Alors comme je vous l'avais présenté, donc le Spider-Bot qui se décline après avec plusieurs améliorations que vous pouvez rajouter, je vous ai montré les prix. Donc là, bah, alors là on a tout. Hein. Lui, il existait déjà, mais on se fait toujours plaisir. 7 euros, petit porte-clés. Très très joli. Voilà les améliorations. Elles sont très belles. Ah, ça c'est ce qu'on vous avait présenté à la boutique de l'hôtel. Donc la brigade des petits génies. Donc vous avez tout le land. En comics. Et la voilà. La voilà celle qu'on cherchait. Chouette. Elle est superbe. Il est dans les airs, regarde avec la toile. Il est dans les airs et il y a les Spider-Bot. Fais voir. D'ailleurs, attire l'attention. Et The Price, c'est combien? 20 euros hein, par contre. Attire l'attention sur le décor et on a plein de Spider-Bot pris dans des toiles à différents endroits. Superbe t-shirt. Alors lui, je l'aime beaucoup. Ah, lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc là c'est le modèle enfant à 16 euros qui est très très beau. Petite casquette, 20, combien la petite casquette? 22 euros, voilà, casquette Spider-Man, elle est très belle. Le sac très sympa avec l'empiècement en caoutchouc, donc vous voyez en relief, qui
est très beau. Donc c'est un sac à dos normal avec une poche, une ouverture. Et le petit détail derrière qui est très sympa. Donc signé Web. Worldwide Engineering Brigade. Et donc à quel prix sommes-nous ? 40 euros. Très très beau. Alors on continue. Voilà, la boutique est très grande, les détails sont fous. Regardez là-haut, il y a des spider boats qui sont coincés dans des toiles. Ils se sont fait avoir. Alors oui, là c'est quand on sort de l'attraction directement. Je vais vite vous filmer ça. Je trouve sublime celui-là. Alors, t-shirt. T-shirt Spider-Man, brille dans le noir. Il est très très beau. On est au prix de 30 euros. Voilà, vous avez aussi MJ. Regardez. Ah, pantalon. Pantalon, 46 euros. Bon, il est assez épais, hein, d'accord. Vous le tenez, douce. Je regarde si. Ouais, il est doublé pour l'hiver. Donc ça c'est un pantalon. La poche arrière, elle est sympa. Je le mets à l'avant. Très sympa. Voilà. Alors moi je flash complètement pour ce haut que j'adore. Regardez. Petite fermeture éclair en bas. Voilà, la tête de Spider sur le côté. Manche courte. 40 euros. Je l'adore. Beyond Amazing. Le dos est avec capuche. Ah, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, blanc. Blanc et gris. Donc, la Rhino Shield, je ne vous la représente pas, on la connaît. Ici, il y a un coin enfant avec de la vaisselle, des petites assiettes. Toujours le petit verre. Alors, ça, c'est toujours le même tarif. Hein. Voilà, ça, j'aime beaucoup. La petite gourde Spider-Man, 12 euros. Très jolie. Alors, on continue. Bon, pour les petits chouchous, il y a toujours beaucoup de choses. Vous savez que je m'arrête pas trop pour les petits parce que sinon je suis encore là demain malheureusement et ça me ferait plaisir de le faire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ah, ils nous ont ressorti. Nous l'avons acheté quand c'est sorti il y a 3 ans, 4 ans même maintenant avec le Covid, je ne sais plus, 30 euros. Donc le masque de Spider-Man qui parle, hein, qui change d'expression. Bon, le petit costume bien sûr, donc c'est bien, il y a tout. Alors on continue notre progression dans la boutique. Là ça me plaît. Alors des pins, donc là orange, 9 euros, superbe Spider-Man. Voilà, donc ça je vous laisserai regarder. Là vous avez quand même aussi donc vendu par 4, très très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, la lanière, les enfants, la lanière. Normalement c'est dans les 13 euros, dans les 12 euros. Je vous regarde ça, 10 euros. Très sympa la petite lanière. Open House Paris, voilà. Le Bob, les enfants, le Bob, 25 euros et en plus, il est réversible. Ah, mais je dis oui, le Bob, il est beau, rouge. Superbe, avec l'intérieur, donc réversible, je vous montre. Extra. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Là, vous avez toujours, bien sûr, la bouteille que j'espère on peut laver et qui ne décolore pas comme celle des 30 ans à 25 euros. Ah non, c'est pas de mauvais esprit, voyons, on rigole. Alors, bien sûr, le set de table qui est hyper beau, hein. Hyper beau le set de table. Activate, désactivate. Le set de table, les enfants, on est à 5 euros. Waouh, 17 euros. Ah, c'est un mug avec couvercle. Il est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mini glaces Baker Dreamweaver. Mini gobelet en verre. Ah, oh, c'est chouette. C'est comme on a eu tout à l'heure quand on était à Pim Kitchen. Voilà, c'est très beau. Alors, moi, je l'aime bien le mug. Hein. Franchement, il est très sympa. Là, on est sur du 15 euros. Voilà. Attendez, hop, je vous mets comme ça. Il est très beau, il y a la graduation dedans. Pour les fans. Qu'est-ce qu'on a là? 46 euros, pyjama short. Ok, d'accord. Bon, ça va jusqu'au XXL, hein, donc n'hésitez pas si les gens qui font des grandes tailles. C'est un short. Ouais, c'est un short bleu. Donc pour l'instant, là, on a terminé. Ah, pardon, j'avais pas vu. Magnifique. Il est très très beau Spider-Man sur son building. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on a déjà vu. On continue les recherches. Petit t-shirt blanc tout simple, Stark Industry, 30 euros, coton, avec aussi dans le dos, voilà, Web Worldwide Engineering Brigade. Donc tout ça c'est pareil. Ouh, le pull j'aime bien, Stark Industry tout simple, Silent Technology Intern. Ah, il est chouette le pull. Bon, le pull, je vous dis franchement, il fait 45 aujourd'hui, donc on n'a pas du tout envie d'en parler. XXL aussi au maximum, 40 euros. Voilà. Ah, donc nous avons aussi, après Spider-Man, nous avons la casquette qui est à... Ce serait tellement simple que Disney mette les prix devant dans tous les magasins de France et de Navarre. 22 euros. 22
22 euros. Le t-shirt, alors voilà, ça c'est mon préféré. Il est très très beau, gris, avec marqué Web Worldwide Engineering Brigade. Il n'y a rien dans le dos, 30 euros. Voilà le bol. Oh, il est très très chouette le bol. 13 euros. Très beau. Alors je sais qu'on n'a pas la réduction, mais franchement, le merchandising est très beau. Et j'aime vraiment beaucoup ce t-shirt là, qui est, je pense, pour enfants et pas pour adultes. C'est un petit peu dommage. On a le, encore un mug, Expert Web Single avec Spider-Man, qui est en relief, qui est très beau. 17 euros. Alors les Spider-Blog, si vous ne les voulez pas en grand, ils existent en tout minus. Moi, j'aime bien en tout minus. Ils sont très très chouettes. 25 euros. Ah, ils sont beaux, ouais. Ils sont très sympas, donc interactifs toujours. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de costumes, de déguisements. Ah, Captain Marvel qui existe en Toy Box. Très sympa. Vous avez toujours le marteau de Thor. Bon, ça, c'était déjà vendu. Hein. Vous avez des costumes, voilà, pour vous déguiser. Très sympa. Pareil, Toy Box avec donc, les griffes. Hein. Wakanda Forever, bien sûr. Hulk. Donc ça, ça n'est pas nouveau. Mais c'est très sympa que ça soit réuni ici. Ah là, il y a du merchandising donc avec Groot. Hein, pour ceux qui sont fans de Groot, regardez-moi ce pull de malade. I am Groot. Incroyable ce pull. 46 euros. Jaune de chez Jaune. Très chouette. Voilà, vous avez aussi la casquette. Très sympa. Petit Groot. Coucou, petit Groot. Bon, ça, on l'a déjà montré, Groot. Très sympa. J'essaie de vous montrer maximum ce qu'il y a de nouveau ici. Alors là, on a le petit véhicule. Petit véhicule Avengers, le Queen Jet, il est très beau, 15 euros. Voilà, pour ceux qui sont fans, je vous le montrerai tout à l'heure. Ah, le cahier, on a le cahier Avengers, Avengers Campus, 13 euros. Le super sac à dos Avengers, alors lui là, il est à 50 euros. C'est, là, c'est le sac de, plutôt pour les cours avec deux entrées, deux ouvertures. Il y a plein de choses. L'arrière est complètement molletonné, ce qui fait que, enfin, vous savez, qui est capitonné pour pas faire mal au dos. Très sympa. Un petit t-shirt Avengers Campus, donc je vous ai montré tout à l'heure pour l'ouverture du campus. Voilà, c'est sur plaque de métal, c'est une impression de tous les projets d'art. Voilà, ils sont très beaux. 40 euros. Là, vous avez une besace. 40 euros. Qui est très sympa. La forme est très sympa. Voilà. Kevin Argonas. Très très joli, plus l'Avengers noir complètement. Ah, mais attends, pardon, excusez-moi. Avengers Campus Disneyland Spirit Jersey, les enfants, pour les collectionneurs de Spirit Jersey. Voilà, 65 euros. Il est très beau le dos. Voilà, Avengers Campus, il est très beau. Ah, alors ça, je craque complètement. Ça, c'est très très beau. Ça, la gourde, combien elle est? 30 euros la gourde. Elle est superbe. Super, j'aime beaucoup. Avec le mug design. Oh, il est beau le design de mug. J'aime bien. 20 euros. Voilà, c'est mes deux, pour le début, c'est mes deux pièces préférées. Ça et ça. Ah, Avengers déploiement. Des Avengers. C'est le véhicule. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, il est très beau. Avec Iron Man. Oh, t'as le Queen Jet aussi. J'ai vu le Queen Jet. J'ai filmé le Queen Jet. Là, on a un pull, 70 euros, voilà, très sport, hein, tout ça, très entraînement, très campus, quoi, très chouette, j'aime beaucoup. Ah, on a du slip, les enfants, très joli. Alors, vous remarquerez quand même que 95% de ce qu'il y a est vendu est pour hommes,
18 euros. Bon, alors c'est vrai que les t-shirts sont mixtes, hein, on peut mettre ce qu'on veut, mais il n'y a vraiment pas de merchandising, on va dire, féminin. En disant ça, je vous montre un t-shirt qui est purement féminin. C'est ça qui est rigolo. C'est marrant, on dirait vraiment les t-shirts de sport pour aller à la salle. 36 euros, en gros petit. Ah, pilote de chasse, Royal Talon. Ça, c'est Black Panther. Très beau, toujours au même prix. Hein. Ils se posent tous sur un socle qui a un rapport avec le personnage. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Fight Force. Avengers Assembly, voilà, nouveau t-shirt. Il est beau, Iron Man. Alors, c'est une paire de t-shirts. Tu as le même avec Captain Marvel, c'est l'attraction. D'accord. Avec un symbole Fight Force qui remplace le canard poster et sur la manche, tu as le logo. Ok. Et le price? Le price, c'est 30 euros. Tu ne craques pas pour les t-shirts, là, toi, cette année spéciale? Non, non, j'ai pris le pins. Tu as vu le jersey qui est là? Oui, j'ai pris le pins du Land. Oui. Ah bah voilà. Captain Marvel. Elle est belle, hein? Ah voilà, vous avez le pins aussi ici. Avengers Flight Force. C'est l'attraction. Tu as les pins des deux attractions. Orange. T'as différents pins en fait. Pour ouais, t'as différents. Donc là, c'est pareil. T'as celui-là, t'as avec Captain Marvel et Iron Man. Oui, comme de l'autre côté, il y a pour Spider-Man. C'est ça? Tout à fait. Ok. Alors, on a un pull de folie Avengers. Alors là, c'est marrant, ça me fait penser à ce que portent les motards. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est. T'es sur un sweat, toujours capuche. Ouais, ouais. Le dos. C'est un le A, voilà. Le A d'Avengers. Et il est à 65 euros. Une somme conséquente. Voilà, c'est. Voilà. Et là, un t-shirt tout simple avec le A sur la poche. Oui, c'est une poche. Il y a une poche. Hein. Il y a une poche, voilà. Il n'y a rien dans le dos. Ah, pardon, si. Ah, mais je vous l'avais montré en plus. C'est pour Sentinel of Liberty, le First Avengers. Avenger, pardon. Oui, Captain America. Captain America, tout à fait. Pour ceux qui ont suivi. Mais je sais jamais son nom, le premier. Falcon and the Winter Soldier, vous comprenez. Le Black Captain America. Exactement. Bon, ça vous l'aviez déjà à l'hôtel hein, et aussi dans le parc. Voilà, Captain Marvel et pour les petites jeunes filles ou pour nous, mesdames, très beau, hein, très très chouette ça. 59,99. Voilà, voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Je peaufine, je regarde pour les fans de Captain America. Petite peluche, petit coussinet, les mugs. Voilà, Captain America. Toujours dans les mêmes prix, les enfants. Hein. 17 euros, le bol, très beau le bol. 12,99. Voilà, les caisses sont bondées. Bon, je vous passe en détail les petites choses comme ça. Voilà, ça c'est un décapsuleur. Ah, c'est chouette ça. Badge lumineux des Avengers. C'est sympa. Ah d'accord, on peut le porter à la poitrine. Ah, super. Donc ça se pose, voilà, je vous montre. Voilà, ça se pose ici. Très sympa, donc le prix c'est 18 euros. Petite pop Iron Man et encore des pins. Toujours en fer hein, sur des plaques gravées, c'est très beau. Le Queen Jet, très 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 beau. 70 euros. Très 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 beau. Alors certaines pièces d'Armageddon sont dans les décorations, dans les hauteurs de la boutique. Donc il reste donc plein de pièces de l'ancienne attraction Armageddon qui donc était juste avant celle-ci. Et qui sont. Parce que c'est vrai que vraiment les décorations du haut de la boutique sont juste incroyables. Sur ce, il faut aussi que je vous parle de quelque chose. Ah bah venez regarder. Voilà. Ça c'est Armageddon. Là, ce que vous voyez en haut, c'est ce qu'il en reste. Incroyable, hein? Alors, chose que je ne vous avais pas précisé, que je vous précise aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, cette boutique, cette vidéo se fait en deux temps. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture. Donc, les produits que je vous montre ici, qui existaient déjà dans le Land, qui ne sont pas des produits exclusifs, bien sûr, à l'ouverture de ce Land,
sont avec le pass annuel, avec la réduction du pass annuel. Il n'y a pas de problème. C'est tout ce qui est vraiment dédié à l'ouverture de cette attraction qui, bien sûr, n'est pas soldé, surtout à l'ouverture du Land. Donc, vous avez ce côté-là avec l'attraction web, donc de Spider-Man, je ne dis pas tout le nom, pardon. Et là, vous avez l'autre attraction, donc avec Iron Man, Flight Force. Voilà. Donc, c'est bien mis en deux côtés, ce qui fait que vous voyez bien, donc, il y a deux côtés de la boutique bien distincts. Iron Man, Spider-Man. Alors, je vous l'avais complètement loupé la dernière fois, donc je suis content de voir, vous la filmer. Voilà la banane. Vous savez, les bananes, c'est la grande mode de la vie. 25 euros les bananes. Elles sont belles, hein? Incroyable, vraiment incroyable. Super contente. Ah, et il y a ça aussi, qui est très joli. C'est un petit porte-monnaie qu'on peut accrocher. Très sympa. Il y a le sac, vous avez le sac qui est à 45 euros. Voilà, web. C'est très bien. Et c'est un sac qui fait aussi sac à dos. Regardez le dos. Ça peut faire cartable. Voilà. Carte postale, vous en avez 15. Voilà, celle de 15 cartes postales qui est à 15 euros. Voilà. 15 euros, très joli. Hein. Regardez bien. C'est superbe. Voilà, vous les trouvez en caisse. Donc pensez au coffret aussi avec les super-héros. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui sont encore avec les réductions PA. Voilà, les non-réductions, pour l'instant, ça n'est que sur les produits qui sont pour l'ouverture du Land. Manifestement, ça a eu un effet puisqu'il y a de moins en moins de choses que l'on trouve sur la revente Vinted et compagnie. Je filme ça, j'avais un ballon. Ces messieurs sautent pour m'attraper mon ballon. Bravo! Alors dans l'attraction Spider-Man, vous avez aussi ce plan qui est donc le plan du parc, enfin du campus. Voilà, donc je vous le présente ici. Il est vendu aux caisses au prix de 12 euros. Donc voici la carte. Elle se présente en vente à la boutique, donc derrière la caisse, vous demandez, c'est 12 euros. Elle est extrêmement belle et vous la retrouvez dans l'attraction. Je vous ai présenté cette boutique, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous allez vous éclater dans ce Land. Je suis transportée par ce Land parce qu'il est magnifique, parce qu'au niveau des détails, il est surprenant, il est extraordinaire. Les super-héros, c'est une façon d'essayer de trouver des solutions à tout ce qui nous entoure dans ce monde. Le monde qui n'est pas facile en ce moment à supporter, vous le savez. Voilà, c'est comme ça. En tous les cas, la Team Merch, je vous aime. En tous les cas, la Team Merch, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous gardez la patate avec cette chaleur en plus. Et quoi qu'il arrive, je vous aime très fort. Vous êtes les meilleurs. Et puis, à bientôt pour un nouveau merchandising de folie. Et regardez bien, donc on va vous faire les restaurants. On vous a fait le Land. On vous a fait Astérix. On va vous faire plein d'autres vidéos parce qu'on vous adore et parce qu'on est super content de partager ce moment avec vous. Donc vive la Team Merch. À bientôt mes petits chatons d'amour.